Bonjour à tous, bienvenue à Paris, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas en 2017 mais bien en 2024 pour un concept Gru Solo à l'ancienne. J'ai très hâte de vous montrer ce que j'ai en tête parce que c'est un truc que j'imagine depuis des années, que je prépare depuis quelques temps déjà et ça va être magnifique. C'est un peu l'épreuve finale, l'épreuve ultime en haut d'une grue. Et là on se rapproche du chantier, ça va être un spot mythique juste en face de la tour Eiffel. C'est parti pour l'infiltration. Petit message très rapide avant que l'aventure commence. Cette vidéo est entièrement démonétisée par YouTube à cause de son caractère dangereux. Nous ne touchons donc aucun revenu et la production de cet épisode est assez coûteuse. Salaire du monteur, préparatif et j'en passe. Ce type de vidéo existe uniquement parce qu'on aime les faire. Donc si vous les aimez aussi, montrez votre intérêt en la partageant et en vous abonnant à la chaîne. Bon visionnage. Vous voyez, voiture de sécurité juste là, cahute du garde juste là. Et nous, faut qu'on monte tout là-haut. On va passer par-dessus la barrière. Par contre là, il y a un peu de lumière. Du chantier ou si c'est le bâtiment derrière. Dans tout endroit, il y en a quatre pattes, juste là, en quadrupédie. Il faut être sous les caméras. C'est quoi le plus simple? C'est quoi ça? Est-ce que c'est un détecteur qui m'a cramé? C'est trop bizarre cette lumière qui s'allume. Je t'avoue que je suis perplexe. C'est trop trop bizarre. Moi je voulais passer là, par l'extérieur. Avec cette lumière, c'est chelou de ouf. Donc là ça s'est éteint les gars. Le problème c'est que la caméra derrière, il y en a une qui vise là et moi je veux grimper là. Et l'autre qui vise là en bas. Donc là c'est mort des deux côtés. Mais si jamais lui il se reallume pas, longer le long de la rambarde. Là, la caméra, forcément, elle me filme dans le noir, je me dis. Si le mec est pas devant ses écrans, c'est ok. Je suis obligé de me faxer. De ouf contre la barrière. Est-ce que c'est le hasard? Je sais pas. C'est un peu la merde. Putain, je sais pas quoi faire. Bon bah, au final, je suis resté presque 40 minutes allongé derrière la barrière pour observer un peu et le gars arrêtait pas de s'agiter. J'ai vraiment l'impression qu'il regardait tout le temps dans ma direction. Comme s'il savait que j'étais là, mais sans en être certain. Et du coup, puisqu'aucune voiture de police s'est pointée en 40 minutes, je me suis dit que ça se tentait. On va pouvoir y retourner. Le convoi pour les JO là, que des camions de police. Statue de la Liberté, ceux qui savent pas, ça c'est la vraie officielle. Celle de New York, c'est ça qui a été fait en plus grand, mais celle-là c'est la originelle.
Je sais pas si vous verrez, mais là derrière, t'as deux magnifiques grues que je connais pas. Ça me permet comme ça de repérer les prochaines. Allez, on y retourne. Étage 22. On arrive. On va trouver un accès, c'est sûr. J'avais dit 27 étages. On est plus sur du 28-29, mais j'étais pas loin. La vue est stylée de ouf. Et encore, je suis pas au max. Je suis pas encore en top. Regardez ça, la tour Eiffel. Avec le grand angle, ça paraît loin, mais en vrai, elle est juste à côté. Il y a des échafaudages, il y a forcément moyen de monter. Ouais, on va faire une grimpe ici. Faut juste pas que je me fasse griller, quoi. On va se monter ça, là. Hop, devant et là. Oh là là, cette vue extraordinaire. Encore un convoi de police sur les quais, vous voyez. Tous les camions là, bleus, c'est les camions de gendarmerie. Avec les JO, ils sont partout. C'est que là, plus j'attends, plus le soleil se lève, plus c'est l'horaire des épreuves des JO, plus il y a de la sécurité. Donc faut pas que je tarde, j'attends juste que là, la voiture en face, elle parte, que je puisse grimper sans qu'il se pose de questions. Et je pense que là, j'ai un créneau maintenant, tout de suite. Allez, on est parti. Tout ça tient sur du bois, c'est génial. Ça, c'est pas solide de ouf. Quand on a plusieurs, ça va. Ok, on peut verrouiller ici, verrouiller là, c'est pas mal. Ok. Le problème, c'est que la voiture de police de tout à l'heure, je sais pas si elle s'est arrêtée. J'aimerais bien juste checker, parce que si elle s'est arrêtée au bout du chantier pour leur dire, les gars, le gars qui grimpe là, c'est un gars de chez vous, qui leur dise non, on est dimanche. Personne qui travaille le dimanche. À part Iteuse Road. Moi, j'ai pas envie qu'ils disent c'est Iteuse Road. Donc, je vais juste vérifier là en speed. Oh là là, mais vous avez vu encore le convoi là. Nouveau convoi juste là de police. Ils prennent le pont. Hein. Et du coup, là, j'ai pas d'angle pour savoir si la voiture de tout à l'heure s'est arrêtée. Vous avez vu ce convoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 camions. 13 camions de gendarmerie. Ça, typiquement, c'est les trucs qui vont sécuriser les JO. Là, je pense qu'on a littéralement la grue la plus proche de la tour Eiffel, actuellement à Paris. Et ça, c'est très fort. Je crois que les policiers de tout à l'heure, on les entend. Le soleil se lève, si je dis pas de bêtises, dans 20 minutes, parce que je suis un peu en avance. Il est même censé se lever, en fait, dans là, la minute. Mais là, je vois pas de soleil. Donc je pense que le lever de soleil, là, c'est foutu. Je pense pas qu'on aura notre lever de soleil. Et en vrai, avec tous les trucs de police qui commencent à se réveiller pour les JO, plus bah, Paris qui se réveille aussi, ce qui commence à faire tard. Donc je pense qu'on va y aller comme ça sous la grisaille, ça rajoutera un côté dramatique, c'est pas très grave. Et en tout cas, je suis content parce qu'ils avaient annoncé de la pluie pendant la nuit et je vois que tout est sec. Donc moi, ça me met dans des bonnes conditions pour la perf que je veux réaliser. J'ai pas encore la pression qui monte, mais dès que je vais être là-haut, je pense que ça va monter vite. Et je vais pas avoir beaucoup de temps, en fait, surtout ça, je vais pas avoir beaucoup de temps pour la mise en place. Je me chauffe 5 minutes et puis j'envoie et puis je repars vite parce que là, en fait, tout autour de moi, c'est que des... Tu vois, tout ça, c'est des grands apparts d'habitation. Bon, allez, on est parti tout de suite. Un petit bug de carte SD, on a perdu quelques précieuses secondes sur cette grue magnifique. Je vous ai le tour du propriétaire en fait, tout simplement. Tour Eiffel, juste à côté. Là on va pouvoir commencer la paire, je vais me faire ma petite prépa mentale de mon côté. Mais je vous rappelle, toujours se poser la question, s'il n'y avait pas de caméra, est-ce que oui ou non je le ferais? Et là j'ai tellement pensé à ce truc là, je l'ai tellement préparé sur plein de surfaces, que j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller en fait. En fait, là, la caméra, je vais la poser, je vais faire mon truc. Ça filme tant mieux, ça filme pas, tant pis, il n'y aura pas de vidéo, vous verrez jamais ces images. Mais c'est pas grave, au moins je l'aurais fait. Et là, en vrai, j'ai un créneau pas trop mal, hein. Il n'y a pas trop de monde. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Allez. Alright, voiture de police.
Est-ce que c'est pour moi? On sait pas. On sait pas. Allez, tu l'as fait 100 000 fois l'entraînement. T'as fait des configs plus dégueulasses. Allez, mon gars. On se suspend. Ok, grue. Suspendu. Tour Eiffel. Très bien. Prise mixte, on est bien. Allez, go. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah putain, la montée, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est horrible. Oh putain, je sais pas si j'ai kiffé ou détesté. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas, mais là on est bien. Oh là 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 là. Oh putain, heureusement que j'avais un pied gauche très très solide. J'avais carrément un bout de talon incrusté. Donc ça, c'était une super sécurité. Je reviens toujours pas là, je suis un peu dans un autre univers. Bon, en tout cas, le rêve, il est là. Hein. Tour Eiffel, grue. Pendant les JO, on n'aura pas eu le lever de soleil. Et apparemment, je me suis pas fait cramer. Je ne vois personne qui s'alerte de ma présence. Donc, on va pas traîner. Une mission accomplie est une mission qui n'a dérangé personne. Et je vous rappelle de ne pas faire ça chez vous. J'ai dû répéter le mouvement 1000 fois en tout, peut-être même 10 000 fois, sur des barres, sur des branches d'arbres, sur des trucs dégueulasses, sur des bouts de bois. Pieds nus, en chaussures, en claquettes, toutes les configs possibles. Et là, j'avais une mini sécu. J'avais le talon qui était engagé, talon gauche. Et ça m'a bien aidé en vrai. J'étais pas full serein comme quand je l'avais fait au-dessus de la scène. Je le referai pas de sitôt, mais c'est une bonne chose de faite dans la checklist magique. Et je vais pouvoir passer sur d'autres objectifs. Alors, je m'apprêtais à descendre, les gars. Et comme vous le voyez, deux motards de la police plus une voiture là. Je ne pense pas qu'ils m'aient vu et qu'ils soient là pour moi ou quoi. Je pense qu'ils sont juste au feu et qu'ils vont bouger. Moi, je vais rester mobile. C'est la meilleure des choses à faire dans ces cas-là. Attendre qu'ils passent. Ok, donc là, vu qu'ils vont en bas, c'est pas du tout mon bâtiment, donc ils ont rien vu. Et on va pouvoir repartir tranquillement. Alors attends, hop, j'ai la flotte qui me dérange, on va la verrouiller ici. Donc là, c'était ça, tous les trucs d'habitation qui se réveillaient tout à l'heure, là, qui avaient plein de lumière. Donc là, je pense que des gens m'ont vu depuis tout à l'heure. Et là, t'as quand même toujours Tour Eiffel, Sacré-Cœur, Palais de Justice de Clichy, que des trucs qu'on a grimpé en fait. Et surtout la Défense, magnifique, avec deux belles grues là-bas. Il y avait deux trucs dans la vie qui me dérangeaient. C'était de ne pas m'être suspendu par les pieds à une grue, parce que j'adore ça me suspendre par les pieds, et faire un backflip en haut d'une grue. Ça, c'est pas pour tout de suite, parce que ça fait un moment que j'ai pas travaillé les backflips. D'ailleurs, pour les JO, là, j'ai fait un show où j'ai dû faire quelques backflips, et franchement, mon backflip est toujours aussi clean. Mais je pense que j'ai perdu beaucoup de ma précision. J'ai toujours autant de hauteur, etc. Mais genre porter ses couillasses pour faire ça là-dessus, arriver pied devant, pied derrière, comme les gymnastes à la poutre finalement, si vous suivez les JO, clairement, il faut vraiment que je m'entraîne pendant des mois, quoi. Il y a une époque où je faisais beaucoup de saltos comme ça en précision sur des bordures de pont, des trucs comme ça. Mais c'était il y a 8 ans, quoi. Double descente, glissade into précision, percupresse. Oui, monsieur. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on se casse. Comme d'hab, je vais mettre la descente en accéléré parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent voir la descente, les gars. C'est juste des escaliers. Je vais reprendre le même chemin en allant plus vite cette fois-ci. Donc, je vous mets ça rapido. N'oubliez pas de vous abonner. Très, très important. On galère à atteindre ce million d'abonnés. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous le plus rapidement possible. Invitez vos amis, vos proches, votre famille à le faire. Dès qu'on a 1 million d'abonnés, on saute d'un immeuble avec un parapente. Et ça, c'est très stylé. Et je te mets juste là, en plein milieu, une belle vidéo que tu devrais kiffer si tu as aimé celle-là. À toutes !